The Dragon's Tooth is the most perfect blade possible in a non-eutactic solid. It would have given the Red Arrow an enormous advantage. Ah, dimanche matin avec une petite musique asiatique comme celle-ci, c'est de classe. Bon, alors, hors de mission, il faut que je récupère la dent de dragon, c'est ça? Ouais. Police just don't understand this city. Screw you. Versa Live, je me demande quand est-ce qu'on y va. Faut que je retienne que c'est là, là. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Voilà, c'est terminé, je ne suis plus un touriste. I bet you come from the market. That's where I want to go. Thank you.
Alors, le code était... Je me demande si c'est pas ça leur code. 11384. Au poste de police. Faudra que j'essaye à mon tour. Pas de pression, machin. Attends, c'était quoi? Mais non, c'était le... C'était plus bas. Ah merde alors. Il va pas me dire que j'ai pas lu les notes. Ah, 1709. Sauf qu'à un moment précis, c'est bizarre ça. J'ai même transpercé la... Oh la vache, la dalle du fond. J'y suis allé un peu fort. Je crois que c'est une échelle. Bah merde!
Ah oui, comme ça. Non, mais c'est comme si j'avais pris l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais? Je l'attends? Looking for Maggie Chow. You must be Mr. Denton. Miss Chow has been expecting you. She is waiting in the living room. Please follow me. I will accompany you. Le discours a un peu changé. Là, je dis pas que je cherche Monsieur Antel. The floor coverings were made by hand in Tibet. Take a look around. Mother Chow, Mr. J.C. Denton. In the flesh. As dark and serious as his brother. You know who I am. And Paul? You know my brother? Intimately. Call me Maggie. Paul never mentioned you. That is why he is still alive. He can keep a secret even from his own brother. But why? Paul told you about Majestic 12, correct? The conspiracy behind UNATCO? Just the name. Majestic 12 sent Paul to murder the former Red Arrow leader. And me too. And he double-crossed them? Rest to say I persuaded him to join our side. What does Majestic 12 want with the Red Arrow? We are winning the Triad War against Majestic 12's ally, the Luminous Path. We were developing a new technology. You might have heard about a sword? The Dragon's Tooth, right? The Triad settle disputes in contests of skill, which includes the crafting of weapons. The Dragon's Tooth would have made us unstoppable. So Majestic 12, they're trying to tip the balance, give the Luminous Path a technological advantage. Exactly. I tried to warn the people of the danger. And the Luminous Path calls me a liar. The police have all the evidence they need to settle this. Locked up in the station at the Wan Chai Market. But they will not act. Go and see. I know the code to their vault. 87342. It's only fair to tell you that I spoke with Gordon Quick before coming here. I thought he was a friend of my brother's. I agreed to visit you and learn the truth of the situation. Yes, you were seen. The new Red Arrow leader is Max Chen, and you don't have to go to the Lucky Money for him to know your activities. Now tell me about Paul. Why did he not return? There's something I have to tell you about Paul. Majestic 12 is arming the Luminous Path with the Dragon's Tooth Sword. We must find a way to end the war immediately. Miss Chow, Maggie, Paul is dead. What? UNATCO agents killed him. I'm sorry. I understand how you must feel. No, it can't be! You all right? He was a brave man. Honest. Too honest. Yes, he was. You tried to prepare yourself, but... I know the danger. I need to be alone. Please. L'un de mes objectifs, il me dit quoi? Ah, intéressant. Je peux donner le matos de la police à la Maggie Chow pour gagner sa confiance. Ah, je vais essayer, la voilà. Please, go now. We have many prize Buddhas, you will observe. On va voir, on va faire
le test du poste de police. Ça mène à rien, c'est de l'autre côté qu'il faut que je me barre. I bet you come from the market. That's where I want to go. Advisable for tourists to visit the canals at night. The market will close in 2 hours. Je
je vais être obligé d'utiliser un décodeur. Oh, c'est con. Aidez, s'il vous plaît, monsieur. C'est pour l'infiltration du commissariat. Ah, putain, je me voyais pas si court. Car que je dis ça en passant par là. Qu'elle m'a donné la Magicho là. La police de White Shine dispose de preuves qui permettraient de régler la guerre des triades. 87342. Merde. 8-7-3-4-2. Cool. Cube de police centrale d'Hong Kong à district de Weichang, poste 11384. Arrêt du tribunal. L'officier Tam ou Tam Dragon est blanchi de toutes les charges de négligence et de fraude professionnelle qui pesaient sur lui depuis l'incident de référence 453 AT. L'opinion de ce tribunal est que le recours à la force extrême était non seulement nécessaire mais approprié à sa tentative de réduire les pertes civiles. Aucune contre-enquête ou complément d'information n'est requis par ce tribunal. Tribunal de Weichang, affaire classée. Ah mais non, mais il y a personne en fait. Je m'attendais à voir des couloirs machin, mais pas du tout. J'entends ce qui se passe au-dessus. D'accord. Oh, c'est cool ça. Attends, la petite lacrymo du bonheur, je vais la... diminue concernant le temps de recharge. Bah lui, ça peut être bien aussi. Ouais. Est-ce qu'il soit plus rapide à recharger ?
Ah, InfoCube. Alors, de district de Weichang, poste 11384 à la police centrale de Hong Kong. Alors, veuillez trouver attaché le rapport complet de surveillance des activités de la dénommée Maggie Chong, la madame. La relation étroite qu'elle entretient avec la triade de la Flèche Rouge et son dragon tête Mac Chen sont désormais avérées. Mais certains éléments récents nous amènent à penser qu'elle pourrait aussi être impliquée dans la mort du prédécesseur de Chang, c'est-à-dire Yuan Kong, un des facteurs de déclenchement de cette guerre des gangs. Madame Chong et ses relations à la Versa Life Corporation font l'objet d'une enquête approfondie, mais la probabilité pour qu'elle soit mêlée au conflit qui oppose les triades sont élevées. Les officiers de district sont priés de noter qu'il y a plusieurs options tactiques pour accéder à l'appartement de Mr. Chong. L'entrée de service à l'arrière, les travaux de rénovation en cours au 7e étage et le toit. Ces options sont étudiées plus en détail dans le rapport attaché dans le cas où il deviendrait nécessaire de s'emparer de la personne de Miss Chong ou de fouiller son domicile, commandant Chang. Si je pouvais monter la police locale contre le MJ-12, ce serait hilarant. Il y aurait des dommages collatéraux à foison, ça ferait un bordel monstre. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout. Attends, je vérifiais deux fois que j'ai bien tout fouillé parce que je vais pas y revenir normalement. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Oui, non, c'est là qu'il faut aller. Ce qui se passe à ce moment-là. Le gouvernement. I'm sorry, Miss Chow is not at home. Yeah, well, tell her I know she double-crossed the Red Arrow, and I intend to prove it. You are mistaken, Miss Chow. She should never have sent me to the police station. Now I know she's hiding something, and I intend to find out what it is. No, no, you are mistaken. Guards. Thank you.
Ah, c'est la couette. Ah, c'est le fameux ascenseur. Pas des barreaux d'échelle, je peux pas m'y agripper. I'm sorry, Miss Chow is not at home. Yeah, well, tell her I know she double-crossed the Red Arrow and I intend to prove it. You're mistaken, Miss Chow. She should never have sent me to the police station. Now I know she's hiding something and I intend to find out what it is. No, no. You are mistaken. Guards! Je peux pas mettre la bombe et lancer l'ascenseur, ça marche pas comme ça. Sorry, Miss Chow is not at home. Yeah, well, tell her I know she double-crossed the Red Arrow and I intend to prove it. You're mistaken, Miss Chow. She should never have sent me to the police station. Now I know she's hiding something and I intend to find out what it is. No, no, you are mistaken. Ah, le bug. Guards! Par là. Encore que tu me diras, l'escalier de maintenance, c'est pas con. Faut que
que je me rappelle du code, c'est tout. Mmh. Ah oui, le 3-4-7-4. Là, je crois que je peux pas faire dans la subtilité. Pour le coup là, je l'ai super bien joué. Comme un professionnel. Excellent. Je les enchaîne. Toi, c'est la fête. Là, j'ai fait du travail de professionnel. J'en suis le premier surpris. Ce qui fait chier, c'est la caméra. La caméra est chiante. Tirer sur le petit
Elle est chiante là. C'est la femme de ménage qui m'emmerde, c'est fort quand même. Merde, je me suis fait bobo. Alors, nouvelle transcription InfoCube, code temps début 4h56, 23 secondes. Début d'enregistrement maintenant. MC, je sais que tu as volé le sable, Yuen, et tu l'as volé à des gens qui n'aiment pas ça, Yuen, et maintenant tu souffres. Et tu sais à quel point je n'aime pas te voir souffrir, voyou. UK. Je suis le dragon tête de la fête rouge et tu n'es qu'une chienne qui sera châtiée. Ah, c'est Miss Maggie, là, MC. Je suis un peu plus que ça, Yuang. Je suis la seule chose qui s'interpose entre toi et un univers de souffrance, de ténèbres et de honte. Dis-moi où est le sabre et tu mourras vite. UK. Et une mauvaise actrice. Bruit indéterminé. MC. Maintenant, il en reste encore 9. Oula, fin de l'enregistrement. C'est une machine à tuer, la nana. Ah oui, ordinateur du MJ-12. Tranquille. Alors, les mails. Hop là, je les lirai après. Hop là. Good. Now take the sword to Max Jin at the Lucky Money Club. Lucky If you could make peace among the triads, then perhaps I could help you in your difficulties. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai pas de place. Oh putain, 4x1. Oh non, faut que je me débarrasse plein de trucs. Oh, fais chier.
Bah, tu me diras si j'ai la... Si j'ai l'épée, j'ai plus besoin de matraque. Hein. Excuse-moi, mais... Vous avez trouvé l'épée dans le dragon. C'est quoi ça? Ms. Chow, we are reassigning you temporarily. Put the long-term agenda on hold until Versa Life has met its deadline. It will be months and probably years before the Red Arrow can influence Beijing, whereas, well, I'm sure you heard about my appointment. We are in position to make a grab for Washington. We can't let this one slip through our fingers. Make sure the process stays on schedule. What is that? Faut que je fouille les cadavres parce que c'est con, peut-être des matos que je recherche. Crédit. Putain. Faut que j'appuie avant de sauter. Non, je peux pas détruire la caméra, c'est bon. Ah, 5 points restants. Ah, je peux carrément la consommer sur place. Merveilleux ça. Ah, j'ai un bonus de... Évidemment, je me demande si je pourrais pas faire sauter... Ah, j'avais pas vu. Ah, je l'ai calmé, moi, tu vas voir. Ça, c'était la sortie par le toit. Un peu d'air, je vous prie.
assez chiant pour que ça te mette de partout. J'essaye d'aller dans l'appart en face en ce temps. Oh, il est chiant avec le bruit. Bien quand le calme est revenu. Comment qu'il est scotché au plafond. C'est collector ça. N'importe quoi. Quand vous en aurez le temps, Meg Song, je vous conseille de lire deux de mes livres favoris, Insurgé et Typhon. Je suis sûr que leur lecture vous éclairera comme elle m'a éclairé. Ils sont dans mon bureau si vous voulez les emprunter. Signé Maggie. Sympa. Elle a une baraque énorme, elle pourrait avoir une baignoire. Non, elle a pris l'option douche, dis donc. Ça m'épate. Ah, c'est les bouquins là, c'est ça? La force véritable de Kishiro Yoshitaka. Ça fait plaisir de lire en japonais. Oh le merdier. Si quelqu'un doit forger le sabre parfait pouvant s'abattre à jamais sans rencontrer de résistance, un sabre qui ne serait une extension de l'esprit et du corps de celui qui le brandirait, et non pas un point mort inutile, ça ne peut être qu'avec la conscience de la futilité de ce sabre en regard de la volonté profonde du stratège. Ceux qui veulent maîtriser la force doivent comprendre que la fonction du sabre est de trancher seulement. Chaque jour, le stratège doit pratiquer l'art jusqu'à ce que cet art soit devenu part de son esprit. Le stratège sait que chaque sabre qu'il brandit est parfait, parce que parfait est sa volonté et que seul peut enfanter la victoire. La victoire! Allez, chien, la victoire!
Ah ouais, la salle de travail. T'as le bureau. Le bureau de réunion. Oh non. C'est énorme. Terminal de l'agent Chow. Quoi? 7e étage désactivé. Pose sécurité. Ah oui. Ah. Ah, ça veut dire que quand tu connais le secret de du bordel, il y a une combinaison à faire pour même pas se faire repérer. Tu te sers tranquille de la lame et tu te casses. Il y a moyen de le faire en furtif, c'est énorme. Salut Maggie, je jure de ne plus jamais oublier ton anniversaire. Le 18 juillet est une date gravée dans le calendrier de mon cœur pour l'éternité. Signé Louis. Alors, Typhon de Li Yeo. Et l'histoire des triades peut, d'une certaine manière, être considérée comme l'histoire de la Chine moderne. Les légendes affirment que les triades trouvent leurs origines dans un mouvement de résistance contre la dynastie Shang, après que celles-ci se sont emparées de Pékin par la force. Lorsqu'ils eurent affronté une révolte de la province de Fujian, les Qing firent appel à un ordre des moines guerriers. Considérés ensuite comme trop efficaces pour l'empereur, ils furent presque tous exterminés. Les survivants firent le serment de renverser la dynastie Qing et s'organisèrent en secret dans des monastères reculés, devenant très vite célèbres sous le nom de Wangmun. Les Wangmun ont toujours... Enfin, Wangma, je pense ce que ça se dit. Ouais, les Hangmen ont toujours fait preuve d'une remarquable adaptabilité politique sans jamais cesser de s'auto-proclamer grand protecteur du peuple. Et cela même lorsqu'ils acceptèrent de l'argent de l'ennemi japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Insurgé de X, d'un anonyme, d'accord. Et lorsqu'elle doit s'opposer à la subversion d'un organe de pouvoir, l'action externe, même combinée, est souvent inefficace. La seule révolution possible se fait de l'intérieur, et en cela, le petit grain de sable qui constitue l'individu qui provoque le changement aussi magnifié par la lourde machinerie que de telles organisations utilisent pour se maintenir au pouvoir. Historiquement, les organes de pouvoir sont toujours l'expression de la pensée d'une minorité qui parvient à imposer sa volonté à une majorité en combinant plus ou moins habilement tradition, confusion et punition. Un agent secret capable d'endosser le personnage d'un loyaliste sans trahir ses sentiments antérieurs peut utiliser des armes similaires pour renverser de telles organisations ou les détourner dans leur but premier au profit d'objectifs plus idéologiquement acceptables. Ah, ah, c'est le cœur même du jeu. L'histoire, c'est magnifique. Alors, monsieur Hunley, il est impératif de changer le mot de passe système, sa confidentialité n'étant plus assurée. Je crypte le nouveau mot de passe et vous le transfère aussitôt. Merci de faire en sorte que toute tentative d'accès serve du mot de passe Typhon soit marqué et tracé. Maggie, ciao. Il n'y a pas des secrets supplémentaires? Je vais essayer d'aller dans l'appart en face. Pour en savoir plus. J'ai sauté sur le balcon, ma couille. Je peux pas péter la vitre. Ah bah voilà. Ah, des jumelles. Un ordinateur perso. Des cartouches, ouais, bien. Ah. Le réseau local de Hong Kong. Ah, intéressant. Putain, mais il y a plein de trucs à lire. Ah, Flyboy.
vache. Oh, sympa. Appartement de Jock. Eh ouais, c'est le pilote d'hélicoptère. Le pistolet de Jock. Quelque peu. InfoCube. Service réseau Hong Kong, district de Weicheng. Votre compte est maintenant actif et les frais d'activation de 95 crédits ont été automatiquement ajoutés à votre premier règlement. Merci d'attendre l'arrivée de la facture avant de nous faire parvenir celle-ci. Ah, c'est horrible! Nous vous rappelons que tout le trafic internet doit être conforme à la loi des informations électroniques et que les contrôles peuvent être effectués à tout moment. Les violations de la loi des informations électroniques peuvent entraîner des amendes, des désactivations de comptes, des suspensions de visa et des procédures criminelles. Login Flyboy, mot de passe 5x5, Zixi, de Hong Kong Net Service, pardon. Livre. Projet d'e-book. Ah bah c'est le... Oui, mais oui. Mais bah au moins il est au courant, le pilote d'hélicoptère, que le bordel peut se... Putain mais c'est trop bien fait. Ah ah ah. Trop bien. Mais je crois que la première fois que j'y avais joué, je suis jamais allé dans l'appart. Je crois que j'y suis allé pour un en fait. Pas de manière subtile. C'est la toute première fois que je découvre le l'appart. Voilà. Et voilà. Putain, c'est énorme quand même. Bon, bah j'en connais une qui doit se faire dessus. C'est Miss Maggie. Mais elle est un peu gourde de m'avoir donné le code de la police. Parce que d'après elle, elle pense que j'allais me faire coffrer par la police militaire chinoise. Elle m'a sous-estimé, cette couche. Tranquille. Je pense à la bonne qui a fini empalée au plafond. Ça, c'est tout un symbole. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Monnaie.
Ah, il en faut des détours. Alors, il est où le Lucky, mes couilles ? Leather boots. For you, 25 credits admission. Here you go. Perfect. I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog who needs a master. Oula. Another drink? Don't mind if I do. As you were saying? Well, women back home, they aren't like your daughter. I do very much wish to meet her. I've never seen so many troopers. They must be close to a break room. But which division? Maybe all of them. Something fundamental. I saw guards in biotech. Je teste. Non, c'est pas intéressant, c'est le calme de... Merde, ça m'a sucré la musique. Ah bah ça fait con de voir des lasers sans musique. I don't like being in the dark. What do you mean? Everything's so compartmentalized. A pain, I know. But all it takes is one leak to the net and there goes our work into the public domain. You see, my class. Well, in the U.S., either you have nothing or you have everything. And the women of my class, well, they're spoiled. Whereas your daughter, see, she's the perfect example. Born not with a silver spoon in her mouth, but... wooden chopsticks. Yes, good, that's very good. Exactly. And that's why she understands the important things. Food, shelter, a good life. That's a very nice watch. Thank you. So kind of you.
A gift from my mother, actually. Voilà. À moins que ce soit la chambre froide, mais ça va m'intéresser. J'aime bien. Les caméras me filment, il n'y a pas d'alarme. Oh, c'est bon ça. Je crois qu'on peut dire que c'est offert par la maison. Ah, dommage. Donc je referme quand même le frigo, on est poli. Mais c'est magique. Excusez-moi, je vais revenir, messieurs. C'est juste un cambriolage en règle. N'importe quoi. Quoi ? Ah oui, c'est la chambre froide. Oh putain, il y a du matos là-dedans. Eh ben, que dire ? Bonjour, messieurs. Puis-je m'asseoir à votre table ? Excuse me, sir. This room is off limits to club patrons. I suggest you leave. It's okay. I'm here to see Max Chen. He'll expect me. An American. I hope he likes what you have to say. Isaac is letting anybody back here these days. Sympa. Oh là là. Ce luxe! Oh, je peux même pirater votre ordi. C'est dégueulasse. You must be Max Chen. Merde. Soul? I have found something in Miss Chow's apartment that might interest you. He's not Soul? The sword was never destroyed. It was stolen, and she is the one who stole it. Preposterous! I have it right here. But Miss Chow? She works for a group called Majestic 12. She's using you and the Red Arrow for her own ends. No, you must be mistaken. Think about it. She murders your predecessor, hides the sword, pushes the Red Arrow into the war with the Luminous Path, and then, what next? The Triads are weakened and an outside group seizes power. Sound far-fetched? Oh, there must be an explanation. Perhaps you should meet with the leaders of Luminous Path. Hmm, perhaps. For now, take them this message. I will stop hostilities until I have completed an investigation. Boss. What is it? Marty at the door so we have trouble. Soldiers coming in. She said there was some kind of man. Ah, il y a des grenouilles. Permettez-moi de lire vos mails. Ah oui, en plus. Bravo. You led them here. You should have been more careful. Set your business and go.
Oh! Super commando BMG-12. Chargez ma couille. Qu'est-ce qu'il fait? Say your business and go. You led them here. You should have been more careful. Ah merde, c'est déjà le cas. Je croyais que j'avais pas déclenché le... Ah bah non, oui, donc je me suis déjà servi. Oh là là là. Je suis perdu chronologiquement parlant. Red Arrow. Je pense pas que ça va aller là-bas. Surtout pour 4 passe-partout, ça coûte cher. Ça coûte trop cher pour moi. Simon, get Max up here. Simon, get Max up here. C'est Isaac. Ambiance à la Terminator, je trouve. Tiens. D'accord, dehors c'est la guerre civile.
Ok, tout va bien. On va y aller tout doux, hein. On va attendre que ça se calme. Okay. Putain, il m'a niqué le bras le commando G12. It's some kind of ray. Ouais, bah oui. Everyone on the floor. On the floor. Cadavre Peter de la triade. Ouais, bah il s'est fait vider. Oh. Bah alors, il y a des victimes collatérales, que signifie? Encore la faute du MJ12. Why did they come here? On se le demande. Hey, t'es qui toi? Pourquoi je te connais pas toi? Attends. Pourquoi j'ai pas vu sa pièce à lui? Non, qu'est-ce qu'il y a? I'm innocent. Oui, j'en doute pas. Vous pouvez me laisser passer, messieurs, dames, s'il vous plaît, merci. Police spéciale anti-vigilance. Quoi, tu meurs? Police Ray! Oula. Non, mais il y a des trucs, c'est trop bizarre. Pourquoi le mec dans un local à part avec plein de... C'est un local de vigie, bordel. What the hell is going on? I'm innocent. Experiment? I like experiment. Ok. C'est le gros bordel au milieu des drogués. C'est le foutoir possible. C'est n'importe quoi. The science. It's a ray. J'ai commandé au distributeur une canette de soda, je l'ai même pas ramassée. What is happening? Quoi? Des marins russes? Mais qu'est-ce que des marins russes viennent foutre là? Des polices! Oui, bah. Perestroïka. What is happening? Bah. C'est une longue histoire.
suis sérieux, hein, je piche pas. Nano augmented transcription. That'll do the trick. Eh, vous pouvez arrêter de squatter l'escalier, les mecs. Vous êtes pénibles. Police raid. Ah, quel con. Je l'ai même pas vu. Stay down. Je me suis fait chier pour rien. Merci pour le soda. It's some kind of raid. Oui, il y a une descente, oui. Oh. Everyone on the floor. Yeah. Everyone on the floor. Yeah, trop bien. Sortir sans me faire allumer. Bordel. Il y a eu un petit carnage à Hong Kong. Un petit. Il y a des corps partout. Oh la vache. Calme ici. T'as la vache.
bordel. En Asie. On fout le bordel en Asie. C'est la vie. De la rédaction de la flèche rouge a annoncé des couvertures sur Maggie Cho. Il devrait se trouver près du repère de la voie lumineuse près du marché de Wenching. Oui, c'est ça. J'ai pas de nouvelles images. Non, j'ai rien. Accès à cette caméra là. Alors, journal, Lunetco réplique à l'attaque terroriste. New York Press, New York City. Une attaque terroriste sur Liberty Island a été repoussée avec succès la semaine dernière lorsque l'UNETCO est intervenu promptement pour s'interposer à la menace. L'attaque, qui consistait en une tentative désorganisée des NSF de s'introduire dans le système de sécurité du QG de l'UNETCO, s'est muée en geste de la dernière futilité, selon une source anonyme. Walton Simmons, directeur de la FEMA, a coordonné l'action combinée de l'UNETCO et des forces militaires dans une opération dont l'objectif était la traque des derniers membres du réseau de New York. Le terrorisme est un serpent qui se faufile entre les herbes hautes, a déclaré Simmons. Nous avons le devoir de rester en alerte permanente face au danger qu'il représente et d'intervenir fermement lorsque ce danger se concrétise. Les autorités s'efforcent actuellement de localiser Psycho, un des chefs terroristes en fuite depuis l'attaque. Erreur de diagnostic, pas de peste, Hong Kong standard. Les autorités ont confirmé aujourd'hui qu'une grande partie des cas de mystérieuses maladies signalées dans les cliniques n'étaient que pas des cas de peste grise comme on l'avait d'abord craint, mais simplement une petite épidémie de grippe saisonnière. Le docteur Chan Long de l'administration populaire de la santé a supervisé l'étude. Je peux affirmer avec la plus ferme certitude que les cas examinés ne présentent absolument aucun des symptômes dits de la peste noire. De la peste grise, pardon. Le 10 cas, ajouterai-je, n'ayant été signalé que les moins bien gérés des villes d'Europe et d'Amérique. Les malfaisants qui sont à l'origine des rumeurs infondées ne cherchent qu'à profiter des peurs injustifiées des hommes et des femmes qui travaillent dur dans notre belle ville de Hong Kong. Le docteur Lam a enfin conclu que tous ceux qui s'aviseraient de répondre de tels bruits fantaisistes devaient être signalés aux représentants politiques locaux pour être activement conseillés. Ah.
Bon bah c'est bien, je suis à fond de mon énergie moi. Please look around. Elle reste au calme. Perhaps a present for your girlfriend? Il y a la guerre civile dehors, elle est tranquille, je l'adore. La vendeuse est de fleurs, elle a la fleur au bout du fusil. Terrorist attack! Clear them all! Police militaire chinoise. Oh, j'ai son nom! Mount for cover. Il s'est présenté à moi, c'est gentil. Oui, mais j'ai pas son code PIN à Jock, le pilote d'hélicoptère. Attends, oh là, oui, putain. Ah oui, attends, puis j'ai tous les mails là à lire. Oui, ça, c'est des bouquins de la... Putain, il y a Miss Maggie qui est en couple avec Louis la brocante. Ah, mon Dieu. Ouais, non, je suis largué. Alors, de mon frangin au pilote d'hélicoptère, donc de Paul Dunton vers Flyboy, c'est-à-dire Hawk. Sujet et échecs. Alors, le temps m'est compté. Si tu as suivi les ordres, tu dois être sur le chemin de retour pour Hong Kong. Tong saura quoi faire. Alors, donne-lui un coup de main. On ne peut pas laisser ces salopards s'en tirer après ce qu'ils ont fait et à cause de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Mon frère devrait pouvoir donner un coup de main. Je ne sais pas. Je lui ai dit comment récupérer des preuves des activités récentes de Lunaiko, mais il me faut le traiter comme les autres, comme un pion sur l'échiquier. J'ai envoyé ces pions à la mort dans l'espoir de gagner la partie, et je crois que l'heure de mon propre sacrifice est venue. Si Tong te transmet le message, passe-le à Maggie. Si jamais on se revoit dans ce monde, la tournée est pour toi. Signé Paul Dunton. Alors de TT à Flyboy. TT, je sais plus qui c'est. Sujet surveillance. Merci de prouver votre surveillance de Miss Chao. Je pense qu'elle est étroitement impliquée dans nos problèmes actuels, bien plus que la flèche rouge. Mes sources à la police centrale ont bien voulu me communiquer certains éléments d'information qui inclinent à penser que non seulement elle serait responsable de la mort de leur dragon tête, mais qu'elle connaîtrait l'endroit où se trouve la dent de dragon. Votre ami Paul a rendu de grands services à la voie éclairée et la dette que nous avons envers lui peut vous être payée. Alors, de la part de Daedalus, c'est l'intelligence artificielle qui fait le bien. Ah, Daedalus a contacté le pilote d'hélicoptère Hawk, alias Flyboy. Sujet, Paul a besoin de vous. Si vous êtes animé du moins de sentiment de fidélité à vos amis, alors il vous faut retourner à New York immédiatement. Je ne peux établir le statut de l'individu que vous avez identifié comme étant Paul Dunton. Il peut être aussi bien mort que vivant, mais il est possible que je puisse contribuer à son sauvetage ainsi qu'à celui de son frère, si vous vous rendez à New York maintenant. J'ai rassemblé les autorisations nécessaires pour vous permettre d'embarquer à bord de l'hélico furtif SH-187 de l'hélibase MJ-12 de Wencheng, situé sur l'immeuble de VersaLife. Le temps nous est compté. Oh le bordel! Service de réseau en condition de Wencheng, votre compte, clac 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 clac. Ouais, ouais. Alors, de FJ à destination de Max Cheng. Sujet, perspective désagréable. Max, nous sommes amis d'enfance et j'espère que tu ne verras pas un manque de respect dans mes propos. Mais laisse-moi d'abord t'exprimer la tristesse que j'éprouve après la tragique disparition de Wang. Il était le plus grand et le plus grand de Dragon Tête. Et je sais que tu poursuivras son œuvre dans l'inagliable à tradition. Ici, au quartier général de la police, on fait tout notre possible pour identifier son assassin, et je suis certain que tu auras l'occasion de discuter avec celui-ci lorsque nous l'aurons capturé. Mais cela étant dit, je dois aussi ajouter que la guerre qui oppose la Flèche Rouge à la Voie Lumineuse est inconvenante et va à l'encontre des intérêts du peuple de Hong Kong. Le récent écroulement du tunnel de Canal Road est malheureux, et il a été source de nombreux problèmes. J'ai été contraint d'autoriser certaines mesures déplaisantes qui seront mises en œuvre si les inconvénients se poursuivent.
merci de me contacter afin que nous puissions en discuter et trouver ensemble une alternative à cette triste situation avant qu'elle ne s'aggrave encore. Ton ami Fang. Ouais, bon, j'ai deux fois le même message. Ah, c'est mieux. Show me the money. Show me the money. I'm trapped. I'll never get out of here. Ah merde, effectivement, c'est un piège. I'm trapped. I'll never get out of here. Merde, je pensais que c'était une sortie, mais elle est condamnée. J'ai les dents dans le cul. Il y a quelque chose, mais je sais pas si ça vaut le coup. Ah merde, il se retourne contre moi si je fais ça. Ah, il fait son boulot. Dommage. C'était un allié. Oh le con. Mais à vrai dire, je sais même pas si ça vaut le coup de... Attack. Clear them all. Run for cover. Ouais, laisse tomber. Alors que, attends, je veux voir si ça vaut vraiment le coup. Non, si je fais ça, je le bute. Merde. Excuse-moi, mon garçon, mais il faut que j'en ai le cœur net. Établissement lambda. Bien que je progresse. Ah, même les chiottes sont verrouillées. Ah, digicode. Enfin, décodeur. C'est là où je veux voir qu'il y avait un nanocode dans le resto pour aller aux chiottes. Mais non, je vais recharger. S'il n'y a que ça, c'est pas. Ah, il y a un accessoire chargeur quand même. Ah merde. C'est embêtant. Putain, comment que les surfaces sont vitrées. C'est des clubs, ça. Oh ! Nanocode. Clé de la police du Lucky Money ajouté au nano sélecteur. La police du Lucky Money. Attention. Il vient.
Attention, il y a du grabuge. Oh, je l'ai eu. À ma grande surprise, je suis parvenu à le buter. Oh, 900. Waouh, elle avait du fric, l'hôtesse. Oh putain. Ok. Je reviens au même endroit là. Oh. Les pauvres. Ça va? Ça se passe bien dans la supérette? Et ça c'est japonais ça par contre. Alors là, on est à Hong Kong, il y a du japonais. Que honteusement je pourrais plus lire parce qu'il faut que je révise mes hiragana katakana. Mais ça c'est du japonais. Ah merde, j'ai tourné en rond. Con. Je pensais que j'étais sur le bon chemin, moi. Je me méfie du robot sur pattes là, parce que je sais pas s'il en a contre moi. Non, il en a pas contre moi. Donc je devrais pouvoir me rendre
rendez-vous, si je puis dire, sans un... Oh, le carnage à mon compte. Ils sont bizarres, les passages pétons. Vous êtes bien au temple de la couille d'or. Non, non, ça va. You were right. Maggie Chow is a con artist. You have proof? Yes, I found the sword in her apartment. Good. Inform the Red Arrow Dragonhead. Then we will see who is the real traitor. I've already been to the Lucky Money. Max Chen has declared a truce between the Red Arrow and the Luminous Path. A truce? Are you certain? Majestic 12 attacked the club. I think he would consider forming an alliance. Mr. Denton, you are the man I hoped you were. Tracer Tong is inside, in his laboratory below the compound. The door is in our sparring room. He will know what to do next. To enter our compound, use the code 1997. I look forward to shaking the hand of my enemy. En 1997. Et ben voilà. Oh, un chien volant. C'est très rare ça. Salut le chien. Ah, Sparky. J'allais dire, surtout laisse grand ouvert la porte qui est censée rester verrouillée. Putain, je suis un impoli, moi. J'ouvre tout en grand, l'ennemi peut arriver, ça peut être le foutoir à la guerre civile. Ah, bonjour, monsieur. While you are here, observe the laws of the Triad. Ah. Tu sauras que you must have won great favor with the Dragon Head. Ah, ils se battent avec des... Ah non, une épée, je crois que c'est une lance. Oui, je dois y aller. I must to go. Oh, que c'est beau. Bonjour, puis-je m'adresser à votre chef, s'il vous plaît? Nihama. C'est sympa d'avoir une belle, un beau joli temple en bois dans un. Do not interrupt us with questions. Ah oui, d'accord. Un coup aura suffi. Putain, elle déconne zéro la dent de dragon. Tu touches, tu fais mourir. Est-ce que j'ai le droit de pirater vos mails? Donc là, je suis au-dessus. Comment je fais pour aller en dessous? Je comprends pas. Vous pouvez voir que je suis seul, s'il vous plaît. Ok, c'est votre cuisine, elle est cool. Et pas Schmitt. Ah, ça commence à me plaire. C'est après un long corridor que tu peux trouver la voie du guerrier, la voie du justicier aussi. Oh bordel!
Comme les Chinois, toujours plus nombreux. Il est où le chef? Ah, il y a la porte qui est gardée. D'accord. Ce n'est que moi, ma couille. Ah oui, c'est vraiment le sous-sol, quoi. Le truc, ça déconne zéro. Laboratoire de Tracer, donc. Ouais, ça fait un peu taudis. Bah, bon, il fait avec ce qu'il a. Mais... Salut, ma couille. You must be JC. Tom will see you now. Merci. Sauf que... c'est une planque, mais c'est pas un labo. Pardon. Merde, je pensais que je pouvais m'asseoir. J'ai défoncé le mobilier. Ah, j'avais pas vu le petit bouton. Vous êtes petit malin. Le grand monsieur Tong. Mr. Tong, you knew my brother Paul Denton. Yes, a reliable man. So your kill switch has been activated. I feel fine, but it's been over 16 hours. See how easily our technologies turn on us? The more power you think you have, the more quickly it slips from your hands. Can you do something about it? That will depend. You, like your brother, are an extraordinary piece of technology. I never pass up the chance to try a new blade. But I fear at the crucial moment, I may lift up my arm to strike, and you will twist free of my grasp. In other words, I'll owe you a favor. Indeed, as will your friend Mr. Jacobson, a man of much useful knowledge. He arrived in Hong Kong shortly after you did. I was forced to keep him in custody until I could verify his identity and his loyalties. I assume he checked out. I believe he is sincere. Now, go down the stairs to the operating platform, and I will examine your systems. Je sais que le temps presse, mais de là à courir... Oh, bordel! Faut que je passe par... C'est quoi ça? Appartement de Jock sur Tonichiro, dans le même secteur. Ok. Ah, un livre! Alors, projet debug, considération par l'honorable Hang Yang Li. Et comme les plus éminents membres du Céleste Royaume qui attendaient, nos questions sur la nature du projet Debug se heurtèrent à un mur de silence et l'expression de la violence barbare qui entraîna malheureusement la perte irréparable d'un de nos plus fidèles serviteurs. Son souvenir sera désormais célébré pour l'éternité dans les annales de notre organisation. Cependant, notre persévérance fut récompensée par la confirmation du fait que le projet subventionné avait bien impliqué l'acquisition de technologies chinoises, technologies détournées de son usage original pour être ensuite appliquées à la mise au point d'un hélicoptère furtif destiné à être utilisé dans des opérations spéciales du MJ-12. Un examen attentif des empreintes électroniques mènerait sans aucun doute un observateur attentif à s'apercevoir que ces informations ont été extraites de données chinoises en provenance des systèmes de QG de l'UNATCO, ce qui mène naturellement à se poser quelques questions sur les liens qui unissent cette organisation du MJ-12. Alors, expérimentation de... Ah bah, je l'ai déjà lu, ça. Non ? Ouais. C'est les augmentations auxquelles je peux avoir accès. Putain, le canapé est complètement stylé. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. D'accord. Attends, j'ai vu une nano-clé ou non? Je suis en train de me poser la question si c'est pas les serveurs de Dantelus, l'intelligence artificielle bonne qui m'a sauvé du MJ-12.
Ah, j'en ai déjà un truc. Please, complete your business and then go. Mais je vais où? Attends. Rendez-vous sur le poste opératoire afin que 300 désactive le coupe-circuit et vous rendre tous vos moyens. Ok. A mon avis, je me suis rendu dans la mauvaise salle. Encore? Putain, mais la gigabasse, hein. Oh, Alex. Take a big risk following me here. Thanks. When you believe in something, you've just got to do it. How do you find Tong so quickly? Turns out I knew him all along. TTUndernet.0924.243.886. I posted a message to the board and contacted me himself. You talked to Jaime before you left? He told me you wanted to use him as a spy. I don't know. Pretty dangerous, isn't it? Maybe. What do you think? Jaime was scared. Simons is on a witch hunt for traitors. They probably suspect him because we're friends. Exactly. But he told me he's gonna stick it out because you think it'll help. I hope he's smart enough to know when to get out. Did you ever dig up anything about this Daedalus character? I'm still hearing from him. Actually, I did, sort of. Crypto says Daedalus was supposedly a government AI project, also known as Echelon 4. Supposedly? I'm getting this from anonymous crypto boards. Daedalus was supposed to beat the old content recognition problem in surveillance. It was a program that could search all the terabytes of intercepted messages for subversive content. So, what happened? Never panned out, as far as I know. The problem was just too hard. They blew through a lot of taxpayer money, but finally had to scrap the whole project. So the thing that's talking in my head is, what, a resurrected AI? I wish I knew. Okay. Tong has connections. You should scope out the labs for upgrades. La salle d'opération pour me faire opérer. C'est le bord. Il a dit de descendre les escaliers, mais je me suis fourvoyé dans les couloirs, moi. J'ai pas l'air con. Oh, merci. Il a même pas de chaise pour s'asseoir, le pauvre. Oh, c'est une torture. Ah merde, j'ai pas fait gaffe, il y avait un robot pour me réparer. Bah tu me diras, je suis nickel, mais... Ouais, et puis j'ai rien. Bon, oui, j'ai rien. J'ai rien du tout. Ah oui, alors c'est quoi le max de cellules? C'est 30, d'accord. Des piles. Ah, c'est là que ça se passe. Ah ouais, ça calme. Ah oui, il est là. D'accord, moi il me faut pas un truc conventionnel pour me réparer. Salut ma couille, j'ai un peu peur de me faire opérer. Bon bah on y va, je te fais confiance. Oh mon dieu. Stay right there. Je bouge plus. Je te regarde comme d'habitude. Ah! Ça fait mal! Mon dieu! Ah bon, c'est fini? Success! Come back to the control room! Sérieux? J'ai plus d'objectif, je suis libre. Je suis un homme libre. Oui, je suis un homme libre. C'est beau. Oh la vache, l'installation. Ouais. Ah, ça y est, je commence à comprendre la disposition des dieux. D'accord, oh putain.
Je veux le même bureau. Tong is in the operating theater. Oh la vache. Waouh, ça nous en met plein la vue. Non mais c'est énorme. That's it. A simple switch, as they call it. Have you heard about Paul? Your friend informed me. Courageous man, your brother. I plan to make sure he didn't die for nothing. We will try. Unfortunately, nothing is certain in politics. Quick and Chen declared a truce just a few minutes ago. A good bit of diplomacy, I admit. But it won't hold. Not with the sword left to be fought over. I think they'll be slow to anger with Maggie Chow out of the picture. No. In their system, the sword is a doomsday weapon, a temptation. We must recover the Raman coating from VersaLife and make it available to both triads. So that's all you expect in the way of a favor? A little corporate espionage? The first of many favors. Remember, I saved your life. Now pay attention. The VersaLife elevator north of the market will require an employee number. Try 06288. Once inside, find Mr. Hundley, the shift supervisor. He can be persuaded to give you access to the labs. Hundley. You will find him receptive. He is the corrupt official who sold the Red Arrow the technology to begin with. I'll find the Raman coding, but I'm not your henchman. I'll help you as long as we have a mutual interest. If you choose to fight Majestic 12, you will need an ally. We will have a mutual interest for some time. In fact, I took the liberty of setting up a computer account for you. Login JC Denton. Password Sanctuary. Feel free to use the machine in my office. Okay. We have much to offer one another if we cooperate. C.G. Denton Sanctuary. Sanctuary. Ah oui. Alors, Alex Jacobson, bienvenue au Bercail. Ah ouais, le pote informaticien. Bon, ton compte est paramétré et tu devrais pouvoir y aller. Toutes les communications des ordinateurs de traceurs sont totalement brouillées. Alors, même s'ils utilisent le réseau HKNet standard, oui, c'est-à-dire le réseau standard de Hong Kong, personne ne pourra intercepter ou lire leurs messages. J'ai pas mal parlé avec Tracer et c'est vraiment un mec extraordinaire. Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, mais tout le temps que j'ai passé à travailler pour le Netco me paraît maintenant comme un rêve. Comme si j'avais passé ce temps dans un monde virtuel où je n'avais même pas de grandes décisions à prendre, comme dans le monde réel. Mais maintenant je suis réveillé. Signé Alex. Bah c'est bien. Alors, ah, l'intelligence artificielle qui me contacte, Daedalus. Sujet objectif. Alors, nous avons peu de temps devant nous. L'organisation pour laquelle vous avez travaillé et dont les buts et les intérêts rejoignaient alors les vôtres n'est pas ce qu'elle paraît être. L'UNETCO n'est en fait que la branche officielle d'une organisation clandestine plus importante connue sous le nom de Majestic 12. Le Majestic 12 cherche à s'emparer du pouvoir par la force et l'intimidation. De tous les pouvoirs. Ils ne reculeront devant aucun moyen pour parvenir à ce but. Et c'est dans cette optique qu'ils ont provoqué l'épidémie dite de peste grise. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Votre frère m'a été d'un grand secours dans cette lutte, mais c'est désormais du passé. Vous devez le remplacer. La peste grise est un virus à développement nanotechnologique. Vous êtes immunisé, contrairement aux autres. Vous devez localiser le constructeur universel utilisé pour créer le virus de la peste et le détruire. Selon mes informations, il se trouve à Hong Kong, au cœur d'un service du Majestic 12 situé dans le sous-sol d'un immeuble qui abrite une société nommée VersaLife. Vous ne pouvez pas échouer. D'accord. Il y a un constructeur universel à Hong Kong. Je crois qu'il était au Nevada, dans la zone 51. Putain. Alors, S. Carter. Je sais plus qui c'est, S. Carter. Du réseau de l'UNETCO, d'accord. Sujet, site référence. Alors, il me renverrait sur le champ s'il savait que je vous envoie ce message, mais de toute manière, j'ai la nette impression que je vais être viré un jour ou l'autre. Escarter, attends, c'est pas le médecin, je sais plus. Enfin, c'est un ancien collègue de l'UNETCO.
Alex m'a dit qu'il était impossible que cette communication soit tracée. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. Je comprends votre geste. Être un soldat, ce n'est pas que faire obéir aux ordres. Ce n'est pas faire qu'obéir aux ordres. C'est y obéir en servant une cause supérieure. Mais lorsque cette cause est trahie, nous ne sommes plus des soldats, mais simplement des pièces abattues sur l'échiquier pour de mauvaises raisons. Tout va mal depuis votre défection. Manderley a disparu. Je l'ai tué. Il m'a tiré dessus, ce con. On dit qu'il a été relevé de ses fonctions. Lui, il aurait dû être nommé au directoire de la bibliothèque de New York. Bref, il était mis aux chiottes, le mec. Mais j'ai tué dans son bureau de Lunatco. Il n'avait qu'à pas m'agresser. Bon, le directeur de la FMA, Walter Simon, assume l'intérim, mais il y a quelque chose que j'aime pas chez lui. Il a l'air plutôt raisonnable, mais il y a un truc dans son regard qui me fait frémir. J'ai vu le même regard chez certains hommes au combat lorsqu'ils avaient perdu tout espace d'humanité. J'ai quelques amis associés à Lunatco. Ils ont disparu, mais je vais voir si je peux les retrouver. Ils pourraient vous être utiles, on verra. D'ici là, faites ce que vous croyez être juste, GC. Et laissez le diable s'occuper du reste. Oh mon dieu! Attends, je sors pas tout de suite parce qu'il y a des trucs qui m'intéressaient dans les sous-sols. Je veux vous cambrioler. Dans la pure tradition. Déjà, si je peux avoir des munitions bonus, je dis pas non, parce que j'en aurais peut-être besoin. Ouais, ça, après, je m'en fous. Ah, mais j'ai pas vu. Oh ! Je peux augmenter la capacité de chargeur, dis donc, c'est bon ça. Je vais le faire pour lui. Si j'ai le droit d'entrer. Oh cool, grenade. Waouh. Ok, c'est la petite chambre, on va dire, de remise en forme. Do not tell anyone how to get to this facility. Oui, non mais vous êtes mes copains pour le moment d'ailleurs. Mais recharger. Ah oui, c'est vrai, je suis à plat. Ah oui, il fallait que j'aille ici, moi. Un respirateur, je m'en fous un peu. Biche, je m'en fous un peu. C'est quoi ça? Ah, c'est une cuve de régénération. Flash anesthésion. Il va falloir que je coupe ma vidéo là, parce que là je suis parti vers les 3h, il est déjà 2h20 d'enregistrement. Je vais peut-être fragmenter mon... Oh! Ouais, je vais arrêter l'enregistrement là.